sainte sur les pas de Jésus, d'après les descriptions de Maria Altorta. Nous sommes ici sur le Gethsémani. Donc devant moi, derrière vous, cliquez, glissez votre écran. Nous avons une vue à 360 degrés. Bougez votre tablette et vous apercevrez Jérusalem. Ici même, Jésus a commencé sa passion, a surmonté avec une sueur de sang la grande épreuve de l'intercession pour racheter nos fautes. Il a vu l'inutilité de son sacrifice. Alors, nous qui connaissons le Christ, qui avons été baptisés et qui avons cette grâce de connaître maintenant comment faire pour obtenir le salut en l'imitant à travers notamment les longues descriptions que Maria Altorta en donne. Champ des Galiléens qui est au-dessus de nous et les différentes portes de Jérusalem qu'elle décrit parfaitement comme l'a montré le spécialiste Hans Hofen au fur et à mesure des différentes descriptions qu'elle donne. Donc dans son lit, cette mystique, en voyant l'évangile tel qu'il m'a été révélé, eh bien confirme une source surnaturelle à travers tous ces détails qu'elle redonne et qu'on peut vérifier sur le terrain ici. Jésus a souffert sur le mont du Gethsémani. Prions donc Dieu de nous donner la grâce de bien utiliser toutes ces grâces qu'il a obtenues pour nous et de prier pour le salut de tout notre entourage, de nous-mêmes, notre entourage, les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui sont coupés de Dieu, et les âmes du purgatoire. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.